Et bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une petite boîte en mousse pour les gens qui ont un tout petit espace comme moi de travail, pour le micro, pour avoir un bon son. Voilà, la bête. Et vous avez rien entendu, normal, faut que je la recommence. Salut. Et bonjour. Bon, aujourd'hui, on va parler des blocs de mousse qu'on met autour des micros quand on a des petits studios comme moi. Ça permet d'avoir un bien meilleur son et on va faire des petits tests pour vous montrer. C'est un petit truc qui vaut, je crois que ça vaut 40 balles. C'est vraiment, vraiment super, super sympa et ça prend vraiment pas de place. C'est très, très bien. Je vous présente ça. La petite difficulté pour moi, c'est que en fait, je parle dedans. Donc, voilà. Si j'enlève, oups, sans rien casser. Voilà. En fait, c'est juste posé autour de mon micro. Il y a le bas, il y a le haut. Donc là, je suis en train de parler. J'ai plus l'anti-pop. Ok, un petit truc en plastique, tout simple. Voilà. Donc là, vous avez le son en pure ondure du micro. Vous voyez, le son il passe. Donc voici la bête. Vous voyez, hein, c'est pas grand hein, par rapport à mes mains. Ça fait juste la taille, tranquillou. Hop. Vous avez une protection ici pour par rapport à la taille de votre micro et ça permet aussi de bien fixer ici au niveau du micro. D'abord vous le mettez au micro et ensuite vous mettez ça dessus. Donc je vais vous faire des prises de son très simple. Donc là on est forcément sans puisqu'il est posé là. Voilà. Je triche pas. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là, je vais faire des petits bruits derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Faut que je fasse. Ok. C'est de la ASMR. J'ai pas l'anti-pop. Donc si je parle très fort, ça risque de popper un petit peu. Ok. Et si par contre je tape derrière, comme tout à l'heure, on entend beaucoup moins. Maintenant je glisse mon anti-pop tout simple. Hop. Donc voilà. Là j'ai la qualité de son optimale. Si je tape derrière, on entend beaucoup moins. Très pratique. Très simple d'utilisation et ça prend pas de place. Après ce petit engin qui est vraiment sympa. Allez, on se voit une prochaine fois. Salut!